Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur mes cadeaux de Noël 2021. Donc voilà, je suis trop contente de vous tourner cette vidéo vraiment. Parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, c'est la première vidéo que j'ai postée, enfin que j'ai mis en ligne le 19 janvier 2020. Donc voilà, ça va faire 2 ans en janvier. Ça me fait trop quelque chose, ça me touche trop. Donc, je sais que c'est une vidéo que vous attendez avec impatience, vraiment. Parce que j'ai reçu énormément de messages. Juste quand j'ai mis une vidéo de mon sapin, j'ai reçu un tas de messages. Une vidéo. On espère avoir une vidéo, tout ça. On attend la vidéo avec impatience. Enfin bref, j'ai reçu un tas de messages concernant cette vidéo. Vous vous doutez bien que j'allais vous la faire cette vidéo parce que, en plus, c'est la première vidéo que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube quand j'ai commencé. Donc, c'est ma toute première vidéo, hein, mes cadeaux de Noël. Donc, ça me fait grave quelque chose de tourner cette vidéo. Ça me fait grave quelque chose de vous poster cette vidéo. Parce que c'est ma toute première vidéo, enfin c'est ma toute première vidéo quand même. Donc ça me fait grave un petit quelque chose, un petit pincement, ça me touche trop en fait. Et puis je vois que vous adorez ce genre de vidéo, là vous l'attendez vraiment avec impatience. Donc je me dois de vous la faire et de vous montrer tous mes petits cadeaux, tout ça. En tout cas vous savez, c'est les vidéos que je kiffe aussi. Avant que je me lance sur YouTube, tout ça, je kiffais regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Des hauls cadeaux de Noël. J'aimais trop regarder ce genre de vidéos pour me donner plein d'idées. J'aimais trop voir tout ce que les gens ils avaient, tout ça. Donc je kiffe vous faire ce genre de vidéos et je sais que ça vous plaît. Donc voilà. Il y a vraiment pas mal de cadeaux cette année. J'ai été bien gâtée, vraiment, c'était trop bien. J'ai passé un super Noël. En tout cas, j'espère que vous également, vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez profité avec votre famille, tout ça. Moi, c'était super bien, malgré le fait que j'ai pas pu faire Noël avec ma soeur, mon beau-frère et mon filleul. Ça m'a beaucoup peiné, ça m'a fait beaucoup de peine et tout. Parce que mon filleul, toute ma vie entière, mais j'ai pas pu faire Noël avec lui parce que la veille, ils étaient un anniversaire et ils ont été qu'à contact très proche. Donc du coup, on ne pouvait pas prendre de risque. Donc du coup, voilà, juste le matin de Noël, j'ai mis un masque PFP3, je crois, ça s'appelle comme ça. Et j'ai été juste le voir ouvrir ses cadeaux parce que c'était impossible que je le voie vraiment pas. Après je l'ai pas touché, rien du tout, mais juste le voir, j'étais obligée de le voir. Donc voilà, on n'a pas pu ouvrir les cadeaux avec eux, C'était un peu triste de pas faire Noël avec ma famille réunie, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, on rattrapera le temps perdu. Puis je les vois tous les jours, donc voilà, c'est juste que cette fête c'est quand même... Je sais pas ce qui est passé à côté de chez moi, il y a dû avoir un gros camion parce que là le bruit ça a fait, mais par contre je suis malade aussi, je voulais vous dire, donc voilà, je suis un peu malade, donc j'ai un peu les yeux rouges, j'ai un peu le nez qui coule, mais bon c'est pas grave. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo en tout cas. J'espère vraiment que vous avez passé un joli Noël, et dites-moi en commentaire vous ce que vous avez eu comme cadeau. Moi j'aime trop savoir, je suis un peu curieuse, mais j'aime trop savoir ce que vous avez eu comme cadeau, tout ça. Et voilà, donc du coup je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous mettre les liens des articles. Je pourrais pas tout vous mettre parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas d'où ça vient. J'essaierai de m'organiser, de vous mettre les choses importantes. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou sous ma vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Non, mais vraiment là, le 19 janvier 2022, ça va faire 2 ans les gars. Deux ans que je vous fais des vidéos, 2 ans que je tout, enfin je sais pas, que je vous parle tout le temps, 2 ans que vous me suivez un petit peu, tout ça. Bon, merci mille fois, je suis pas assez reconnaissante envers vous, mais voilà, je voulais vous dire mille merci. C'était un petit une petite déclaration dans cette vidéo, mais voilà, je vais pas parler plus que ça. Je vais essayer de pas m'attarder trop sur les articles pour pas que la vidéo soit trop longue. Après c'est une vidéo de Noël, donc vous kiffez, elle sera peut-être un peu longue, il y aura sûrement, vous passerez un bon moment à la regarder, tout ça. En tout cas c'est ce que je veux, et je tiens à préciser que je fais cette vidéo non dans le but de me vanter ou autre. Je préfère le préciser parce qu'il y en a quand même qui vont dire des choses, tout ça, après, mais c'est vraiment parce que je sais que vous kiffez cette vidéo. En même temps c'est la première vidéo que j'ai mis en ligne, donc ça me fait quelque chose. Et puis je sais que bah voilà, c'est une vidéo où on prend du plaisir à regarder, ça nous passe le temps, et puis c'est bien, c'est cool, donc voilà, c'est vraiment sans prétention en tout cas. Donc voilà. Du coup les filles aussi, petite parenthèse, je voulais vous reparler de la marque Le Petit Limeche. Donc c'est une marque avec laquelle je suis en collaboration depuis maintenant quelques temps. Vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup et je ne me passe pas de leurs lunettes, elles sont trop belles. Donc c'était une superbe idée cadeau de Noël, franchement je vous l'ai dit. Donc voilà, je voulais vous dire que mon code il est encore valable. Donc JLIA25, vous avez moins 25% sur tout le site, sur toutes les montures, donc c'est vraiment bien, vous pouvez les adapter à votre vue. Franchement elles sont top pour tous ceux qui passent beaucoup de temps derrière les écrans, tout ça. Ça régule un peu les maux de tête, tout ça, donc vraiment c'est important. Et puis moi avant j'avais grave des maux de tête, et depuis je les mets quand je fais mon montage, quand je regarde la télé,
Ça apaise beaucoup ma vue, je le vois. Donc voilà, en tout cas, mon code, il est encore valable. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, c'était une super idée cadeau pour Noël, je trouve. Et puis même, une petite idée cadeau comme ça, à votre copine, à votre maman, à votre tante et tout, une bonne sœur. C'est cool. Donc voilà, je voulais vous le dire, si jamais ça vous intéresse. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai reçu un nouveau colis de la marque Pomelo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent quand même. Donc, c'est une marque de produits capillaires. Donc voilà, on a un shampoing, on a un soin, on a un sérum pour les cheveux. C'est une marque qui m'a contactée pour tester leurs produits. Franchement, je suis trop contente. J'en avais déjà entendu parler, je les avais déjà vus sur Insta, tout ça. Et en plus, hier, j'ai mis une story, il y a plein de filles qui m'ont envoyé. Franchement, ils sont top, ces produits et tout. Tu vas kiffer, ils sont vraiment, vraiment bien. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de les tester, donc je vais les tester. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines à venir. Et puis voilà, si ce que j'en pense, tout ça. Je vous ferai une petite routine capillaire si vous le souhaitez. Mais voilà, j'ai trop hâte de tester leurs produits en tout cas. Et trop contente d'avoir pu recevoir leurs produits en tout cas. Du coup, on va commencer la vidéo parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé quand même. Du coup, avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. J'essaie de vous poster plein de petites photos, des photos outfit, des réels, des petites photos déco. Je vous raconte un peu ma petite vie. Donc si jamais vous voulez suivre un peu ma petite vie, je vous invite à aller me suivre sur mon Instagram, c'est le genre de contenu que je propose vous intéresse. Du coup voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après l'intro. Bon, par contre les filles, c'était la première vidéo que j'avais mis en ligne sur YouTube, mais j'étais beaucoup 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 plus tendue, beaucoup plus crispée, beaucoup plus stressée. Là, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Enfin, c'est totalement différent. En même temps, ça fait 2 ans. Enfin, 2 ans après, c'est normal. Mais je me rappelle de ma première vidéo. Si je pourrais la supprimer, je la supprimerais. Hein, parce que vu ma tête. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Du coup, voilà, je vais tout vous montrer. On va commencer par tous les produits Victoria's Secret. Comme vous le savez, Victoria's Secret, c'est une marque que j'adore. Et j'ai été vraiment, vraiment, vraiment gâtée pour tout ce qui est Victoria's Secret. Et encore, il y a un autre sac, un grand sac, mais que j'ai eu et qui a rempli de choses aussi dedans. Donc voilà, vraiment, j'aime trop cette marque. Du coup, on va commencer avec tout ce qui est à l'intérieur. Du coup, on va commencer avec tout ce qui est trousse et vanity. Du coup, j'ai eu cette trousse, ce petit vanity Victoria's Secret. Je le trouve vraiment beau. L'année dernière, j'en avais... Il faut savoir que j'ai un tas de choses Victoria's Secret. J'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes choses, mais c'est pas grave, je m'en passe pas. C'est vraiment parce que j'aime trop, 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 trop tous les vanity. Toutes les années, ils en font encore des plus beaux, donc j'ai tout envie de les avoir. Du coup, moi je l'avais eu l'année dernière, mais elle était toute noire, la trousse, toute noire. Il n'y avait pas du tout de rose comme ça, Victoria's Secret, et j'adore ce rose. Du coup, voilà. Donc c'est un petit vanity pour partir chez ta copine, dormir chez ton copain, tout ça. Vous mettez tout votre maquillage à l'intérieur. Je trouve ça hyper cool. Elle prend pas beaucoup de place parce qu'elle est plate en fait, en hauteur. Donc voilà, vous la mettez dans votre valise, dans votre sac et tout, vous mettez tout votre make-up, c'est parfait. Et puis je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle, les détails et tout, ils sont trop beaux. À l'intérieur, on a également 2 petites trousses, du coup. Une toute petite rose comme ça, avec les traits, elle est trop belle. Vos médicaments, je sais pas moi, un petit miroir, vos petits essentiels en fait, pour mettre dans votre voiture ou dans votre sac à main, je trouve ça vraiment bien. Du coup, voilà. Donc ensuite, on en a une un peu plus grande, toute noire, toute simple, très classe. Je la trouve vraiment jolie. Donc voilà, ça c'est pour mettre vos petits essentiels. Vous mettez dans votre sac, dans votre voiture, toujours avoir une petite trousse avec des essentiels à l'intérieur, c'est important. Ensuite, j'ai eu cette deuxième trousse. Donc c'est les mêmes détails, franchement, mais j'aime trop la collection qu'ils ont fait cette année. Donc elle est trop 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 belle, un peu les détails rose Victoria's Secret, elle est bien, je trouve, en plus elle prend pas beaucoup de place et tout, donc ça pareil pour mettre votre make-up, aller chez votre copine, pour partir en voyage et tout, si vous avez pas beaucoup de make-up et tout, c'est très 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 bien. À l'intérieur on en a une autre, donc qui est rose pareil, comme la petite de l'autre, donc qui est toute petite, pour mettre vos essentiels également, pour s'il y en a, ils veulent mettre leur stylo, enfin je sais pas, les petites trousses, bon elle est un peu petite quand même. Mais voilà, franchement je la trouve trop mignonne. En plus elle est en hauteur, donc vous avez beaucoup de place et elle est trop trop belle. Franchement j'aime trop Victoria's Secret, c'est ma marque de fabrique je crois. Chaque Noël j'ai un tas de trucs Victoria's Secret, vraiment j'aime trop. Je crois depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'achète que des trucs Victoria's Secret, j'ai tellement de choses. Petite parenthèse, dites-moi si vous voulez une vidéo, je vous fais un haul, enfin je vous montre tout ce que j'ai à Victoria's Secret. Non, ça serait grave bien parce que j'ai tellement de choses en fait, que ce serait grave une bonne idée de vidéo. Genre je vous montre un peu tout ce que j'ai, je vous montre portée, je vous montre comment y ranger à l'intérieur tout ça, tous mes petits coffrets parfums, tout ça. Du coup voilà,
Franchement, elle est trop trop belle. Je suis trop contente de mon petit duo. Regardez comment il est trop beau. Du coup, ensuite, j'ai également eu un autre Vanity. Je l'ai eu l'année dernière, je crois. Non, il y a 2 ans. Je l'ai eu à 2 ans comme ça, mais en rose foncé. Et franchement, je le trouve top. Je le mets tout le temps. Je suis partie 2 fois en vacances cette année. Je l'ai mis. Je le trouvais vraiment bien parce que déjà, il y a... Oula. Vraiment beau en plus, parce que les détails et tout, ils sont trop trop beaux, rose comme ça. Donc parfait. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place dans la valise, alors qu'il y a énormément de place. Donc vous avez 2 compartiments à l'intérieur. Je vais enlever le plastique. Donc on a 2 compartiments à l'intérieur. Vous en... Plus de plastique encore, hein. Protégé par contre, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Plein de bordel, super. Du coup, voilà, là, vous pouvez ranger tout votre make-up et tout. Moi, cet été, je suis partie au Portugal à Cannes. J'ai mis tout mon make-up dedans, mais vraiment tout mon make-up, que ce soit make-up, produits de beauté, produits pour nettoyer le visage, crème solaire. J'ai tout mis dedans, mais vraiment tout est rentré. On dirait pas, mais il y a énormément de place. Il est super beau en plus. Et ce que je trouve top, c'est que vous mettez, vous l'accrochez sur le... Enfin, il y a toujours des petits embouts vers le chauffage, vers le... Le lavabo et tout dans les salles de bain, vous le mettez comme ça et vous avez tous vos produits que vous pouvez prendre hyper facilement. Donc je le trouve super pratique et hyper hyper bien. Oh, je suis trop contente. Donc voilà, ça c'est tous mes petites trousses, mes petits Vanity Victoria's Secret. 3 de plus dans ma collection, mais j'en ai énormément. Et puis hier, j'avais oublié, j'ai encore eu une petite trousse. Toute petite, vraiment, de voyage, un peu une petite, un petit Vanity mini. Donc dedans, voilà, quand vous partez en voyage, vous avez toujours des petits trucs et vous ne savez pas les mettre où. Donc du coup, vous les mettez dans votre valise. Moi, j'aime être organisée et j'aime ranger tous les petits trucs dans chaque trousse, dans des sachets et tout ça. Du coup, franchement, là, vous mettez dedans, je sais pas, imaginons, vous voulez emmener que des médicaments, vous faites une petite trousse de médicaments, vous voulez emmener, je sais pas, vraiment plein de petits accessoires. Voilà, franchement, vous mettez dans votre petite trousse. Je vous la montre de près. Je suis toute petite, donc franchement c'est cool, elle est trop 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 belle. Donc les petites trousses de toilette que j'ai eues pour Noël, je suis trop contente. En plus tout est pareil, vraiment c'est tout le même motif, tout est trop 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 beau. Donc je suis trop contente. Du coup maintenant je vous ai montré toutes les trousses, je vais vous montrer toutes les brumes, toutes les crèmes que j'ai eues. On va commencer par les basiques. Du coup j'ai eu 2 Barvania comme ça, donc c'est vraiment la meilleure odeur. Si je peux vous conseiller une odeur sans que vous testez chez Victoria's Secret, c'est vraiment la Barvania. Je pense que tout le monde doit l'aimer. Elle est incroyable cette odeur. La vanille, ça sent trop bon. Il y a eu plusieurs des brumes, hein, mais c'est parce que vraiment ça part tellement vite. En un mois, même pas. En quelques semaines, elle est terminée. Je la mets tellement tous les jours que ça part trop trop vite. Ça se vide hyper vite. Et puis cette odeur. Mmh. Ah, j'adore. Victoria's Secret c'est super bien, leurs brumes elles sentent super bon, mais leur odeur elle tient pas hyper longtemps, donc c'est pour ça que t'as toujours envie d'en remettre en fait, parce que ça tient pas beaucoup sur le corps. Du coup voilà, mais c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup et qui sent hyper hyper bon. Du coup ensuite j'en ai une autre Barvania, mais de la gamme Crystal. Du coup c'est la même odeur je crois, attendez. Ça sent pas la même odeur, mais ça sent la vanille aussi. Mais je préfère quand même les autres, mais elles sentent super bon elles. Elles sont trop 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 bon. Donc franchement elle est trop mignonne, regardez de près, elle est trop chou. J'ai ensuite eu une nouvelle collection de brumes qu'ils ont fait, mais en fait il y avait toute une collection avec gel douche, tout ça. Donc je vais vous montrer, attendez. Du coup, c'est cette brume là, comme ceci. Donc du coup c'est Coconut Milk and Rose. Et attendez, je vais vous dire, par contre là j'ai trop d'odeur. Elle est hyper sucrée par contre. Elle sent trop bon. Franchement, elle pour l'été, de ouf. Elle est trop trop belle. Elles sont hyper classe ces nouvelles brumes. À côté, j'ai eu la crème hydratante. Donc vous savez, pour le corps, j'en ai plein des crèmes comme ça. Et ça, c'est pareil, ça part super vite. Parce qu'à chaque fois, je me douche et tout, je me badigeonne le corps de crème et tout. Donc voilà. Donc on a la crème qui va avec. Également une crème hydratante, je crois. Attendez. Une crème pour le corps nettoyant, hydratante. Donc voilà, franchement, trop trop. Elles sont... Trop mignon, regardez, je suis trop contente. Par contre, elle est trop trop belle leur collection. Mais attendez, ah mais c'est pas ouvert. Je voulais juste sentir. Ça sent trop bon, mais par contre c'est hyper sucré, mes filles. Donc voilà, franchement ça sent trop trop bon. Et je kiffe leur petite gamme, leur petite collection qu'ils ont faite. Donc du coup voilà, on a les 2 crèmes hydratantes, la brume. J'ai également eu la crème pour les mains.
Donc ça c'est trop trop bien. Vous voyez, ça a une petite trousse et tout dans votre voiture. Vous mettez vos essentiels, ça a une petite crème pour les mains parce que c'est toujours essentiel. Donc voilà, cette petite crème, elle est trop mignonne vraiment. Ensuite pour finir, j'ai eu la lotion pour les mains également. Donc ça c'est pour se laver les mains. Donc un gel pour les mains. Vous savez, ça c'est la petite collection que j'ai eue, Coconut Milk and Rose. Donc voilà. Je suis trop contente. Ensuite, du coup, j'ai eu également une autre collection. Par contre, la brume, je sais pas où elle est, les filles. Je l'ai oubliée chez ma tante, je crois. J'ai eu une brume avec qui sent vraiment, vraiment trop bon. Je l'ai mis le jour de Noël, du coup. Mais je crois que je l'ai oubliée dans ma voiture ou chez ma tante la dernière fois que j'ai été. Enfin, pour Noël. Donc, du coup, je l'ai pas actuellement. Mais c'est la brume, du coup, elle ressemble grave à celle-ci. C'est la même, le même design, tout ça. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un peu plus doré jaune. Et c'est la collection Almond, Blessum et Oat Milk. Donc voilà. On a également la crème hydratante pour le corps. Donc moi, à chaque fois que je sors de la douche, je mets cette petite crème. Là, en plus, l'odeur, elle sent trop, trop bon. Donc voilà, on a également l'autre crème. Attendez, il y a quoi qui change? Lait pour le corps, nettoyant pour le corps. Donc ça, c'est une lotion pour le corps hydratante. Et ça, c'est un nettoyant pour le corps hydratant en crème. Du coup, voilà. Donc ça, c'est un lait et ça, c'est une crème. C'est différent. Du coup voilà. Là, on a quoi? On a... Attendez. Exfoliant, body scrub, désencrustant, exfoliant. Donc, on doit avoir un gommage. C'est un petit gommage, je pense. Mais franchement, regardez comment c'est trop mignon. Donc voilà. Avec la petite crème et le lait pour le corps. Bon, elles sont trop mignonnes, leur petite collection qu'ils ont faite. Du coup, voilà pour ce qui est de tout ce qui est produit pour le corps. Ce qui est brume, lait pour le corps, tout ça. Victoria's Secret. Du coup, ensuite, j'ai eu un passeport Victoria's Secret. Il est incroyable. Trop beau comme ça, en fait. J'aime trop avec les rayures et tout. Il est hyper classe, hyper simple. Il est trop, trop beau. Donc là, vous mettez vos petites cartes, tout ça. Là, vous mettez votre passeport. Et voilà, ça rentre de partout. Je sais que j'en ai eu un à Saint Laurent pour mon anniversaire. Mais j'ai pas envie de le mettre tout le temps pour l'abîmer. Donc voilà, moi, j'aime trop les passeports. J'ai envie de changer des fois. Même si j'en ai eu un en cuir l'année dernière, Victoria's Secret. Bah là, j'en ai un rose Victoria's Secret. Il est trop, trop beau. Du coup, voilà pour ce petit passeport Victoria's Secret, c'est simple, j'adore. Au moins, j'en ai plein. Ensuite, j'ai eu un porte-clés Victoria's Secret, donc voilà. Franchement, je l'avais vu sur le site, mais je le pensais beaucoup plus petit, genre pour mettre les clés de voiture et tout. Je le pensais plus petit, mais au final, il est immense. Il est immense, je suis choquée, vraiment. Mais du coup, en fait, c'est grave beau. Je le trouve grave beau pour accrocher à ta valise et tout. C'est trop, trop beau, j'aime trop les détails et tout. Bon là c'est un peu doré, là on a un petit V de Victoria's Secret et voilà, franchement il est trop trop beau. Donc ça pour accrocher à ta valise et tout, genre une petite valise toute noire, vous mettez votre porte-clé, grave beau. Du coup ensuite j'ai eu des sous-vêtements, donc des sous-vêtements Victoria's Secret, c'est les meilleurs, ils sont trop trop beaux, ils sont incroyables, ça fait tellement longtemps que je les veux. Des culottes tanga, donc voilà, donc ça, on a la noire, elle est comme ça, franchement elle est pas incroyable, non mais elle est trop trop belle. Je vous montre le détail, il y a un cheveu par contre. Je vous montre le détail de près, comme ça, elle est trop trop belle, vraiment, j'ai un cheveu qui a accroché, qui n'arrête pas de me suivre, là. Il veut pas, ah c'est bon, du coup voilà, donc je l'ai eu en noir celle-ci, elle est trop 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 belle, en plus elle est bien taillée et tout, j'aime trop, même la matière et tout, j'aime trop, j'ai eu celle-ci, donc voilà, elle est trop trop belle elle aussi, un peu bordeaux et tout, avec les petits détails strass et tout sur les côtés, j'aime trop. La noire et celle-ci, c'est ma préférée. Elle est trop belle cette couleur. Elle est incroyable. Quand t'es bronzée et tout, elle est magnifique. Du coup, voilà. Donc là, on a les petites traces sur les côtés. Je vous montre les détails de près. Voilà, c'est des culottes tanga. Donc voilà, elles sont trop, 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 trop belles. Vraiment, cette couleur et la noire. Elle aussi, je l'aime bien. Elle est trop, trop belle. Mais c'est pas ma préférée. Mais elle est trop belle aussi. Mais elles sont trop, trop belles. Trop, trop belles. Je suis trop contente des petits sous-vêtements, tout ça. Du coup, j'en ai eu trois. Donc trois culottes Victoria's Secret. Ensuite, j'ai eu un pyjama Victoria's Secret. Donc, il est incroyable. Il est vraiment, vraiment trop, trop beau. En fait, c'était vraiment le détail que je trouvais trop, trop beau. Genre, il était noir et blanc, hyper classe, hyper... Il changeait de tous les pyjamas que j'avais pu voir avant. Et je ne l'avais pas vu sur le site, tout ça. Mais franchement, je l'ai vu en magasin et je l'ai kiffé. Et du coup, bah, mon copain, il me l'a pris, tout ça. Donc, trop mignon. Mais franchement, il est incroyable. Je vais le défaire avec vous, du coup, parce que je ne l'ai pas encore défait. Et je ne l'ai pas vu en vrai, enfin je l'ai juste vu sur le mannequin. Mais franchement il est trop trop beau déjà, regardez comment il est emballé et tout, il est trop chou. Du coup, concernant la taille des pyjamas, bah, vu que j'en avais eu l'année dernière, je connaissais ma taille. Du coup j'ai pris XS, c'est parfait, il faut savoir que Victoria's Secret, ça taille grande, c'est américain. Du coup il faut toujours prendre une taille en dessous.
voir votre taille, mais moi j'ai pris XS, c'est parfait. Et sur le site ou en magasin, vous avez trois catégories, je crois. Short, régular ou long. Donc moi j'ai pris la taille régular, c'est la taille normale. C'est ni trop court ni trop long, du coup c'est parfait pour moi. Oh, il est trop beau, j'aime trop. Du coup on a la chemise qui est comme ça, hyper classe. Mais vraiment je le trouve hyper classe. Ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas le style de tout le monde. Mais moi je sais que mes petits bandeaux Dior et tout, j'aime trop ce détail là. Franchement il est trop beau. Donc je vous montre la chemise, elle est comme ça. Attendez. Donc voilà, il est noir et blanc avec les détails un peu. Il est incroyable. En fait sur le mannequin j'ai kiffé de ouf. Je suis un coup de cœur sur ce pyjama. Donc voilà, donc ça c'est la chemise manche longue. Là, le pantalon qui est comme ceci, qui est trop beau. Ouais, sur ton petit canapé, regarder la télé, tout ça. Non, franchement, j'aime trop. Il est trop classe. Il est super beau. Du coup, voilà pour ce pyjama Victoria's Secret. Donc, la chemise et le pantalon. Donc, moi, c'est la taille XS régulière. Un deuxième. Du coup, j'ai eu un deuxième. Donc, ça, c'est les pyjamas en satin. Donc voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit. Du coup, je l'avais déjà ouvert, lui. Donc, on a la chemise qui est noire avec les petits traits roses. Il est incroyable aussi. Il est très classe, très simple. Donc je sais pas si vous voyez, mais on a des petites écritures, des petits détails de partout. C'est écrit Victoria's Secret, je crois. Du coup voilà, franchement il est incroyable, la chemise et tout. J'aime trop les pyjamas Victoria's Secret. Du coup voilà, donc il est vraiment noir en satin avec les petits détails roses. Les boutons ils sont noirs, franchement il est incroyable. Celui-ci c'est également une taille XS, donc voilà. Et on a le pantalon qui est juste ici. Donc pareil, tout noir avec les détails roses sur les côtés. Et c'est écrit Victoria's Secret. Mais on n'y voit pas beaucoup en fait. C'est trop. C'est grave discret et c'est hyper beau par contre. Là, j'aime trop mes trois pyjamas Victoria's Secret et tout. Oh, là, je suis trop contente avec mes pyjamas, mes sous-vêtements, mes petites trousses de toilette, mes brumes et tout. J'aime trop, vraiment, je suis trop contente. J'ai eu ces deux pyjamas Victoria's Secret. Je les aime trop. Je crois qu'il y a plus beaucoup de choses Victoria's Secret. Pour finir, j'ai eu cette paire de pantoufles donc qui est beige, enfin qui est très clair. C'est même pas beige, c'est je dirais blanc cassé. Non, c'est un petit beige clair. Mais elles sont magnifiques. C'est écrit pink là en doré. Elles sont incroyables. Mais juste regardez de près. Elles sont trop jolies. Du coup, c'est une taille, bah c'est écrit M, donc je sais pas à quel point de chose ça correspond, mais bon, ça me va donc c'est parfait. Ça doit correspondre au 38, 39, 40, je pense. Parce que moi je fais du 38,5, 39, plus 39, donc franchement c'est parfait. J'ai des campiers. Mais et voilà, elles sont trop jolies, franchement je les kiffe. Elles sont magnifiques. Oh, cette couleur, j'adore. Du coup, j'ai eu ce sac Victoria's Secret, il est incroyable. Un sac en moumoute comme ça là, blanc. Donc dedans il y a tout plein d'habits que j'ai eu pour Noël pour qu'ils prennent la forme. Du coup c'est pour ça que je vous montrerai pas ce qu'il y a. Enfin, je vous montre l'intérieur, il est noir, mais ça il y a plein d'habits, je vous montrerai après ce que j'ai eu. Mais du coup voilà, c'est un petit sac en moumoute blanc cassé comme ça. Et il y a le gros VS dessus. Je le trouve trop mignon pour partir chez ta copine, tu mets tes affaires dedans. Ou alors pour aller faire tes courses. Genre moi je le mettrais trop dans ma petite voiture et tout, dans ma petite Fiat. Et genre quand je vais faire les courses et tout, bah je mets mes petits trucs dedans et tout. Trop mignon je trouve. Il est trop beau. Il est incroyable, vraiment. Du coup voilà. Il est vraiment grand en plus. Il est vraiment matière moumoute. Vraiment moumoute en plus. Et c'est marqué VS. Donc voilà. Il est incroyable. Du coup c'est un Victoria's Secret. Franchement, ils ont fait des trop belles choses cette année. Vraiment, je suis trop contente de tout ce que j'ai eu Victoria's Secret. Ça, c'était offert. On m'a dit que c'était offert dans la commande. Du coup, voilà, c'est une couverture Victoria's Secret. Elle est pas très belle, parce qu'il y a du bleu et tout, mais sinon, elle est noire. Une très noire, toute simple. Mais bon, elle était offerte, donc on va pas dire non. Et franchement, c'est les meilleures couvertures, les couvertures Victoria's Secret. Ça fait 3 ans que j'ai des couvertures Victoria's Secret à Noël, parce qu'elles sont offertes. Mais elles sont incroyables. Vraiment, elles tiennent chaud, elles sont douces. Est-ce que vous voyez la douceur juste à travers la vidéo là? Alors dedans c'est tout doux et tout, enfin je sais pas si vous voyez, bah oui vous voyez, c'est tout doux, vraiment elles sont trop bien. Mais bon par contre là, on se croirait dans l'espace, il y a des étoiles de partout, des planètes, mais oui vraiment on se croit que c'est l'espace. Hein. Moi j'aime trop, elle est trop douce et tout, donc voilà, on s'en fout, c'est pour traîner, pour te mettre sur ton canapé avec ta couverture si t'as froid. Donc on s'en fout un peu du motif, mais elles sont trop bien les couvertures Victoria's Secret. Je tenais à vous le dire, elles sont hyper douces. Mais juste là, hein.
Oh, ça chaîne hyper, la chaîne hyper chaud. Bon, ensuite, pour finir, pour le dernier petit truc bizarre secret que j'avais oublié, j'ai eu ce petit rouge à lèvres. Donc, c'est un petit lipstick en fait. Genre, c'est un petit labello. C'est pas du tout un rouge à lèvres, c'est un labello, pardon. Donc, il est rose clair et tout poudré, rose poudré, très clair, très tout, tout petit, trop mignon. Maintenant, on va passer. Bah, ça, c'est pas bizarre secret, mais c'est juste que j'ai eu une petite trousse comme ça. Avec c'est un duo pour les lèvres, donc le rouge à lèvres et le crayon. J'avais eu deux crayons à lèvres, enfin j'ai acheté deux crayons à lèvres cet été pour partir, mais Huda Beauty, c'est les meilleurs crayons à lèvres que j'ai pu. Vous ne devez pas s'ouvrir. C'est les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs crayons à lèvres que j'ai pu tester. Ils sont incroyables, ils sont trop bien, ils sont comment on appelle ça, ils glissent hyper bien en fait, genre ils sont hyper, ils se mettent hyper facilement, j'aime trop. Du coup, c'est un mini crayon, donc c'est la référence. Attendez. Warm Brown. Donc voilà. Franchement, il est trop trop beau. Je suis trop contente. Donc, c'est celui que j'ai sur moi. Parce que du coup, je l'ai en grand. Il est trop 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 beau. Ensuite, à l'intérieur, on a le rouge à lèvres qui est comme ça. Ils sont trop bien, les rouges à lèvres Huda Beauty. Ils sont incroyables. Du coup, voilà. Il est marron et tout, franchement il est trop trop beau. Du coup la référence de celui-ci c'est Ustla. Du coup voilà, franchement il est trop 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 beau. Trop mignon par contre le petit duo dans la petite bouche comme ça. J'ai trop aimé, j'étais trop contente. Genre c'est trop les best petits cadeaux tout ça. Puis le maquillage, trop bien. Du coup voilà, franchement c'est trop mignon. Je trouve que c'est une super idée cadeau, petit cadeau et tout. Donc voilà. Et pour finir j'ai eu un petit rouge à lèvres Huda Beauty. Donc ça c'est une autre référence du coup. Il est trop beau, enfin j'aime trop, j'en voulais grave des rouges à lèvres Huda Beauty. Attendez. Du coup, c'est la référence anniversary. Du coup voilà, il est mat, il est trop trop beau. Juste regardez, il est incroyable. Je l'ai déjà mis, hein, mais franchement il est incroyable. Il est trop 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 beau, je suis trop contente. Du coup voilà pour maquillage. Je n'ai pas eu beaucoup de maquillage, mais c'était ce que j'avais besoin, donc parfait. Du coup ensuite on va passer à tout ce qui est... Oh le sac il est hyper lourd. C'est pas du tout tout Zara, hein. C'est pas des vêtements déjà. C'est pas du tout tout Zara, il y a Zara Home, il y a Moumoucho, il y a H&M. Mais c'est mes cadeaux préférés, vraiment c'est mes cadeaux préférés. Il y a un peu de ma soeur, ma meilleure amie, tout ça, ma meilleure amie. C'est trop mignon, j'aime trop. Trop drôle. C'est vraiment les best cadeaux, je vous jure. Vous me connaissez maintenant à force, les fournitures scolaires, tout ce qui est un peu... accessoires de bureau, je sais pas moi, cahier, carnet, album et tout, enfin bref, tout ce qui est comme ça, senteur, je sais pas, écuyer quoi et tout, c'est petit accessoire de déco, c'est vraiment mes best cadeaux, j'étais trop contente. Je vous jure que ça me fait plus plaisir que limite un cadeau de marque, vraiment j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, je suis trop contente. Du coup, on va commencer parce qu'il y a énormément de choses. Du coup, pour commencer, bon ça c'est des petites casquettes, j'ai eu cette petite casquette moumoute comme ça, un peu marron beige comme ça. Du coup je crois qu'elle vient de Primark, donc voilà, franchement elle est trop mignonne. Bon là j'ai une couette, je peux pas vous l'essayer, mais elle est trop 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 chou de cette couleur, donc franchement grave contente pour cette petite casquette. Du coup j'ai eu cette petite casquette moumoute blanche, du coup ça c'est H&M, donc voilà, franchement elle est trop trop belle, elle est trop mignonne, c'est vraiment le blanc cassé un petit peu trop beau, j'allais dire non mais ça c'est en velours. C'est un moumoute, rien à voir. Mais du coup voilà, elle est trop trop belle. Donc je suis grave contente pour cette petite casquette moumoute. Bon, là j'ai une couette, donc ça va pas le faire. Mais voilà, du coup j'ai eu deux petites casquettes, franchement trop belles. Ensuite, ça c'est H&M également. J'ai eu une petite boîte à AirPods, un étui à AirPods moumoute comme ça. J'aime trop tout ce qui est moumoute, j'adore. Du coup là c'est un petit bouton noir, on voit pas très bien, mais c'est un petit bouton noir. Donc du coup vous ouvrez votre petit étui. Et à l'intérieur, vous mettez votre boîte à AirPods. Franchement, c'est pas trop mignon. Je la trouve trop belle. Vraiment trop trop belle. Donc, du coup, elle se ferme comme ça avec le bouton. Et vous mettez dans votre sac votre petit étui à AirPods avec votre boîte à l'intérieur. Franchement, je suis trop contente. Ça, c'est trop les petits cadeaux qui font grave plaisir. Les trop bonnes idées et tout. Du coup, voilà pour le petit étui à AirPods. Du coup, ensuite, H&M également, j'ai eu cette petite décoration. Donc, c'est une petite décoration en... Bref, je sais pas ce que c'est en quoi, mais ça casse quoi, si tu veux tomber. C'est pas du verre, mais c'est... je sais pas, c'est hyper lourd par contre. Donc, c'est beige, mais très clair, très, 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 très sobre.
C'est magnifique, je trouve vraiment ça magnifique parce qu'en gros je voulais grave ce livre. Donc ça, ça vient également de chez H&M. Donc c'est un petit livre en lin, vraiment il est incroyable comme ça. Donc il est tout petit, regardez, il doit faire 20 cm comme ça. Du coup, voilà, il est trop trop beau, il est en lin beige, c'est marqué One Line a Day. Donc du coup, attendez, vous pouvez également écrire à l'intérieur. Donc moi après, je vais plus l'utiliser pour déco, j'ai plein de carnets où je peux écrire déjà. Mais il y a tous les mois de l'année, les jours, tout ça, donc c'est un peu un agenda. Mais il est trop trop beau, genre le petit détail. Et en fait, je kiffais le petit livre comme ça, avec la déco dessus et genre sur mon petit meuble noir derrière. Trop beau, je trouve. Poser comme ça le petit livre et la petite déco, incroyable. Du coup, j'avais vu sur Instagram, je kiffais le petit concept et du coup, j'ai eu pendant la, je suis trop contente. J'aime trop trop trop. Donc j'ai une petite déco et un petit bouquin pour mettre en déco. C'est vraiment ce qui me fait trop plaisir, la déco et tout. J'aime tellement la déco et tout ce qui est fourniture scolaire et tout. Et puis les vêtements. Mais voilà, du coup je suis trop contente. Vraiment, j'aime trop le carnet en lin comme ça, il est incroyable. La petite déco, elle est hyper belle. La couleur, je sais pas si vous voyez de près la couleur. C'est un peu un beige, mais c'est un blanc écru en fait. Blanc écru, clair et tout, franchement incroyable. Du coup voilà, je suis trop contente de mon petit bouquin et ma petite déco. Du coup ma meilleure amie à côté, elle m'a pris des vêtements et tout, mais elle m'a pris un petit senteur H&M, Zara Home, je sais pas ce que je raconte. Zara Home, déjà leur packaging, regardez comment il est incroyable. Il est trop beau, il est marron avec la petite étiquette marron clair beige un peu. Donc c'est la référence Dark Amber. Donc voilà, c'est pour la maison, tout ça, c'est trop beau les petits senteurs comme ça, j'aime trop. Et franchement ça sent hyper bon. Ça sent comme dans les hôtels et tout, j'adore. Du coup, on a le petit récipient comme ça, donc avec le bouchon noir. Donc, c'est écrit Zara Home et tout, la référence Dark Amber. Donc, c'est trop mignon, hyper classe la couleur pour mettre sur mon petit meuble et tout. En plus, j'en avais plus de l'autre. Du coup, voilà, avec les petits bâtonnets en bois, vous mettez dedans. Enfin, vous ouvrez le truc, vous mettez. Et c'est grave bon en déco et en plus, ça sent bon. Mais là, ça sent grave l'hôtel, j'adore. Du coup, voilà, je suis trop contente. C'est vraiment le petit truc en plus qui m'a fait trop plaisir parce que j'adore ça. Donc vraiment, elle me connaît trop trop bien. Bon, même si c'est mon chéri qui l'a aidée. Mais voilà, franchement, j'étais trop contente. Ils me connaissent trop 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 bien. Donc franchement, je suis trop contente. Je l'ai dit 50 fois. Et du coup, voilà. Donc là, c'est pour le petit senteur Zara Home. Trop bien. Pas déçue du tout de tous mes cadeaux. Hein. C'est tout ce qui me plaît, tout ce qui me fallait et tout. Du coup, après tout ça, il y a des choses de mon chéri. Et la moitié, c'est ma sœur. Parce qu'elle m'a fait une commande Zara Home pour Noël. Oh, tous bougés là, les coudes. Je crois que vous avez bougé. En premier, j'ai eu un gros coffret comme ça, Zara Home, donc avec des crayons de couleur. Donc on a plein de... et tout part. Bon, ça tient pas. Bon, ça tient pas trop, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, donc là j'ai, je sais pas combien de crayons de couleur, mais j'ai toutes les couleurs. Du coup, voilà, le packaging est trop trop beau en bois comme ça. C'est marqué Zara Home, il y a un petit nœud en or et tout. Franchement, j'aime trop, j'y voulais trop. Pour mettre sur mon petit bureau et tout, avec tous mes papiers, tous mes cahiers, mes agendas et tout. Vu que je passe beaucoup de temps sur mon bureau, je fais mes factures sur mon ordi, tout ça. Enfin, je suis toujours en train de travailler sur mon bureau, donc vraiment, c'est tout ce que je voulais. Des petits crayons de couleur et tout pour dessiner, j'aime trop. Mais voilà, franchement, j'aime trop le petit coffret et tout, le petit packaging incroyable. Donc, couleur bois, marron comme ça, avec tous les crayons de couleur, c'est trop beau, j'aime trop. Ensuite, j'ai eu des crayons de papier noir, donc le coffret incroyable également. Il est trop trop beau. Donc c'est marqué Zara Home. Il y a le petit nœud également. C'est trop chou. Vraiment, j'adore. Vous l'ouvrez comme ça. Et à l'intérieur, vous avez 5 crayons en papier noir. Et c'est écrit Zara Home. Donc incroyable. Trop trop beau. Du coup, ensuite, j'ai eu une petite gomme. Donc une gomme Zara Home également. C'est écrit. Elle est hyper classe. C'est trop 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 beau. Donc voilà, c'est une petite gomme toute simple, blanche. C'est écrit Zara Home. Donc voilà, pour poser dans mon petit pot à crayon, tout ça. Grave stylé, en plus le petit packaging il est incroyable. Du coup voilà, j'aime trop tout ce qui est fourniture, tout ça. J'ai également eu donc ça. Donc attendez. Ah non, c'est à l'envers. Donc c'est un planner, donc voilà, c'est un grand agenda. J'aimerais bien le mettre au mur, acheter un panneau et accrocher ça. Du coup voilà, c'est grand hein, quand même de ouf. C'est écrit Zara Home juste ici. Donc voilà, c'est marron un peu, couleur bois un peu. Du coup, stylé, mais vraiment trop stylé, j'adore. Du coup, c'est marqué monthly planner, donc c'est genre un agenda avec les mois et tous les jours.
Donc là, on a par exemple, janvier 2022, tous les jours. Donc tu mets ce que tu as à faire et tout. Non, non. Donc je trouve ça gracieux de ouf. Regardez. Trop beau. Oups. Du coup, voilà, donc là, on a les mois, on a les jours. Attendez. Après, derrière, il y a une page où vous pouvez écrire, donc une page note. Après, ça recommence, février en anglais, avec les jours, après une page note, tout ça. Non, franchement, c'est trop stylé, regardez. C'est trop stylé, j'aime trop. Vraiment, ça, c'est ma vie entière. Encore de ma sœur. Des petits chouchous comme ça. Bon, petits, ils sont quand même gros. Il y a de la poussière. C'est bon. Du coup, alors, regardez comment ils sont trop beaux avec la petite étiquette Zara Homme marron comme ça. C'est des chouchous un peu blancs, moumoutes un peu. Tu vas sortir de la douche et tout, tu t'attaches les cheveux, tu mets ton petit avec un petit peignoir en satin ou alors un beau peignoir pour sortir de la douche et tout. Mais grave mignon. Grave mignon. Tout ce qui est de nuit et tout, j'adore. Vraiment. Donc ça, c'est deux gros chouchous blancs. Un peu moumoute et tout, ils sont trop trop beaux, vraiment. Ok, voilà, je vous montre de près. Mon chéri, j'ai eu. Donc, c'est un petit masque de nuit. Donc, la boîte, c'est Zara Home également. Du coup, elle est incroyable, la boîte. Vraiment trop 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 belle. Donc, elle est blanc, cassé et tout, avec l'écriture un peu dorée, foncée, trop beau. Hyper classe. Et c'est vraiment un masque de nuit satiné, mais blanc, satin, comme ça, il est incroyable. C'est en satin, il est blanc, cassé. Il brille tellement qu'il est incroyable. Donc voilà, je vais vous montrer de près. C'est fait très marié, je trouve. Hein. Mais il est incroyable. Regardez. Attendez. Du coup, il est comme ceci. Et derrière, il est comme ça. Élastique. Non, franchement, il est très très classe. Il est incroyable. Du coup, voilà. Il est trop trop beau. Donc, on a le petit cochon qu'on met par-dessus pour pas abîmer. Voilà. Zara Home et la petite boîte qui ferme. Il est trop trop beau. J'adore. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte avec mon masque de nuit à l'intérieur. J'en ai plein, j'en ai eu un doré l'année dernière, un rose. Mais lui il est incroyable, il est magnifique. Donc, bref, vraiment mon préféré. Ensuite, j'ai eu deux cahiers en lin comme ça. Du coup, là c'est un gros cahier en lin, un gros carnet en lin avec la ficelle et tout. Il est incroyable, regardez juste les détails. Donc ça vient également de chez Zara Home, ça. Tout ce que je vous montre, c'est Zara Home pour le moment. Du coup, voilà. Franchement, il est trop trop beau. Et en fait, je voulais grave. Donc voilà, dans l'intérieur. Donc là, vous n'avez que des pages blanches. Donc soit vous écrivez des choses, soit vous faites un album, je sais pas ce que vous voulez. J'adore personnaliser vraiment les choses et tout, j'aime trop. Du coup, si on part en voyage, tout ça, vraiment, je voulais faire un album et tout, vraiment trop trop beau. Genre, écrire des choses, mettre des photos, mettre des souvenirs, écrire des souvenirs, tout ça, et me faire un petit album et tout. Franchement, il est incroyable. En plus, en lin comme ça, je trouve ça trop trop beau. Vraiment magnifique. Du coup, voilà. Et c'est vraiment en lin, il est incroyable, trop beau. Il est incroyable en beige lin comme ça, j'aime trop. Du coup, voilà, il est grand en plus, donc je voulais trop me faire un petit album et tout, avec des photos, créer des souvenirs et tout avec mon chéri. Ou un, je sais pas, peu importe, mais vraiment trop trop beau. J'ai trop hâte de tout faire, de faire plein de choses et tout. Du coup, ensuite, on a un deuxième, et ça, c'est une pochette. Donc, également en lin, le même lin que le carnet précédent. Parce qu'il n'y a pas de ficelle en bois un petit peu. Là, on a le petit nœud noir pour fermer la pochette. Bon, il est mal fait là, c'est moi qui l'avais refait. Et à l'intérieur, en fait, donc là, c'est une petite... vous pouvez ranger des papiers. Donc, vous pouvez mettre des papiers. Et là, vous avez un graph marqué graph paper. Donc là, vous pouvez écrire plein de choses. Vous pouvez faire des choses et tout. Franchement, non, c'est grave bien. De ouf. C'est tout ce que j'aime. J'aime trop et tout. Puis c'est trop beau. Vraiment, c'est incroyable. Mais juste regardez. Avec ma petite gomme et tout, mes petits stylos, mes crayons papier et tout, j'aime trop. Non, franchement, je suis trop fan. Non, j'aime trop. Vraiment, tout ce que j'ai eu de chez Zara Home et tout, mes meilleurs cadeaux, vraiment mes meilleurs cadeaux de ouf. Du coup, Zara encore, j'ai eu un car fragrance, donc Black Vanilla, donc c'est un petit senteur pour la voiture. Donc voilà, pour mettre dans ma petite Fiat 500 et tout, trop, trop bien. Donc là, je vais l'accrocher au petit. En plus, ça sent la vanille. Genre, ça sent trop, trop bon. Juste le packaging, regardez comment il est trop beau. Il est noir et tout. C'est marqué Zara Home. Et à l'intérieur, pardon, on a le petit senteur. Donc, il s'accroche comme ça, vous savez. Dans la petite grille de la clim et tout, le chauffage. C'est noir mat et c'est marqué Zara Home. Non, franchement, c'est trop beau. Ça sent trop bon en plus. Ça sent la vanille. Tout moi, ça sent trop bon. Comme ça, moi, dans ma petite voiture, ça sentira trop bon. Déjà que ça sent bon, ça sent toujours ma petite brume vanille de Victoria's Secret. Mais voilà. Trop, trop bien. Comme ça, je pourrais mettre ma voiture tout correctement et tout.
J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, il y a trop de cadeaux. Parce que là, je vais dire, la vidéo va être hyper longue, je suis désolée, mais bon, au moins je vous aurai tout montré. Ensuite, je viens faire les cadeaux Muy Mucho. Du coup, j'ai eu un petit, donc un petit support en bois, donc une petite palette. Ensuite, on a des notes, vous savez, les petits sticker notes là, les petits post-it notes en marron clair et tout, ils sont trop trop beaux. Regardez, bon là, ça sent un peu marron, mais en vrai, c'est pas du tout comme ça. C'est un beau marron clair. Du coup voilà, je peux mettre sur mon bureau pour prendre un petit post-it, je l'accroche sur mon agenda, je mets dans une page et tout, franchement j'aime trop. Du coup voilà, j'ai eu un petit bloc-notes comme ça. Ensuite j'ai eu, donc ça c'est un petit support à scotch, donc pour mettre le scotch en bois. Là le packaging Mucho c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment, ils sont trop incroyables. Du coup, voilà, c'est un petit rouleau raide en bois, il est trop mignon. Vous mettez le scotch ici et là, vous pouvez couper. Donc, franchement, trop mignon, j'aime trop. Ensuite, j'ai eu un petit jeu puissance 4 en bois. Il est pas trop mignon, genre, je suis trop choquée, genre, il est trop chou. Donc, en bois clair comme ça. Donc, je l'ai pas ouvert encore, hein, donc je l'ouvrirai plus tard. Voilà, franchement, il est trop mignon, c'est tout petit. On a les petites pièces que vous mettez à l'intérieur et tout. En blanc et tout, marron, c'est trop mignon. Vraiment, il est incroyable, le petit jeu avec le papier Muy Mucho en bois pour mettre sur la petite table basse pour jouer avec mon chéri le soir et tout. C'est trop mignon, je trouve vraiment trop mignon. C'était vraiment une bonne idée, cadeau. Je suis choquée, il est trop trop beau. Donc ça, c'est vraiment le petit cadeau qui m'a fait trop plaisir également et tout. Donc du coup, voilà, il est trop chou en bois clair comme ça pour mettre sur ma petite table et tout. J'aime trop pour jouer le soir et tout, pour mettre une cosse à mon chéri. Non, je rigole. Donc, c'est hyper mauvais, pardon, mais. Voilà. Non, moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pas du tout mauvaise perdante. Je m'en fous. Mais voilà, mais lui, je sais que c'est un mauvais perdant. Donc, on va jouer tous les soirs maintenant. Je vous mettrai un peu des stories pour vous montrer. Du coup, ensuite, on a. C'est la fin. Il reste 3 petits articles. Franchement, ça a été meilleur cadeau. Le sac, il était rempli. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai eu de fourniture, un peu de déco et tout. J'aime trop. Du coup, ensuite, j'ai eu. Ça vient également de chez Muy Mucho. Donc, c'est des tampons comme ça. Pour mettre sur vos petits, enfin pour cocher des choses sur votre agenda, sur vos papiers, tout ça. Donc dedans il y a marqué note for today, checklist, il y a les étoiles, vous avez les points d'exclamation, vous avez vraiment plein de trucs, location, genre mode off, mode on, c'est trop stylé, vraiment c'est trop 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 stylé. Du coup pour finir ensuite on a le petit, c'est un petit carnet comme ça tout fin, en long, donc vous marquez la date, priorité, note, c'est trop chou, attendez je vais vous montrer, j'ai enlevé le petit plastique. Mais regardez, c'est trop chou. Du coup, voilà, donc je vais enlever la petite étiquette. Donc, il y a une partie plastifiée comme ça devant. Et après, vous avez des petits notes et tout, vous pouvez enlever tout, comme ça. Mais regardez, c'est trop chou. J'aime trop, je suis trop contente. C'est trop, trop beau. Donc, voilà. Mais après, vous avez tout plein de pages et tout. C'est trop stylé en petit comme ça, j'aime trop. J'ai eu un plus grand également. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est plein de petits post-it. En fait, plein de petits post-it. Vous avez en couleur marron foncé avec des lignes. Vous avez en blanc avec des carrés. Vous avez to-do list et tout. Genre, regardez, c'est trop chou, trop stylé, de ouf. Là, vous pouvez marquer ce que vous avez à faire aujourd'hui. Vous avez des petits post-it beige et taupe un peu rond. Vous avez des petites notes. C'est trop stylé. Vous avez plein de petits post-it et tout, de plein de couleurs. Beige, gris, taupe et tout. Rose et tout. C'est trop stylé, de ouf, ça. Regardez. Non, franchement, ça, je suis trop contente. C'est vraiment tout ce que j'aime, regardez. Je vous jure. Je suis trop contente. C'est trop les cadeaux qui me font grave plaisir, mais les gens me connaissent trop, 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 trop. Genre, je suis trop contente, vraiment trop contente, trop contente. Donc, du coup, j'ai eu 2 paires de Converse pour Noël de mes parents. Du coup, j'ai eu. Alors. J'ai eu celles-ci. Donc, elles sont incroyables. Je les ai vues la dernière fois sur Snap et tout. Une fille qui mettait un bon plan, tout ça. Et j'ai trouvé super belles parce qu'elles sont un peu en lin, en veau, enfin je sais pas comment on appelle cette matière. Déjà à l'intérieur c'est hyper doux, c'est tout doux donc elles deviennent super chaudes. Franchement elles sont trop trop belles, elles sont hyper stylées je trouve. Donc voilà, elles sont un peu beige matière quand vous touchez, genre c'est un peu doux et tout. Donc déjà matière, qu'on appelle ça, en dents. C'est un peu couleur lin et tout, franchement trop trop belle. Donc voilà, j'ai eu cette paire de Converse qui est hyper stylée, je trouve. Donc voilà. Ensuite,
En plus, celle-ci, les filles, je vous mettrai le lien. Elles sont en rupture sur le site, je crois. Enfin, il reste quelques tailles. Et par contre, j'ai un bon plan. Les filles, elles sont à 45 euros sur le site Converse. Si vous vous inscrivez à la new, vous savez. Donc, si vous vous inscrivez, vous avez moins 50%, je crois. Ou moins 40%. Donc, elles vous reviennent à 48 euros. Voilà. Ensuite, j'ai eu celles-ci qui sont en rupture de stock. Vraiment, je suis trop contente. Qui sont introuvables. Je les voulais pour Noël, mais moi, je m'étais dit, c'est bon, c'est mort et tout. Je ne saurais pas. Et je les ai eues, mais elles sont incroyables, vraiment elles sont trop belles. Regardez, elles sont en moumoute. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais moi je les trouve incroyables, incroyables. Ça va avec mon sac, regardez les filles. Ça va avec mon sac Victoria's Secret. Mais elles sont trop belles. Oups, pardon. Mais regardez, elles sont trop belles. Donc elles sont toutes en moumoute et tout, blanches comme ça. Donc la semelle en dessous, la grosse semelle, elle est blanche. On a la petite étiquette Converse derrière qui est un peu blanc cassé et elles sont toutes moumoutes. À l'intérieur, elles sont roses. On n'y voit pas, mais c'est style de ouf. Donc on a les lacets et tout. Elles sont trop belles. Je vous jure, elles sont incroyables. Donc vraiment, elles sont en rupture de partout. Elles sont en rupture vraiment de partout et introuvables. Donc voilà, c'est dû pour les deux paires. Moi, je vous ai pas dit les filles. C'est du 39 et la pointure, c'est parfait. Donc voilà, c'est ma pointure de base. Donc voilà. Elles sont trop belles, je suis trop contente de mes petites Converse. Donc j'ai tous les vêtements que j'ai eu du coup. Donc voilà, la vidéo elle va être hyper longue, je suis désolée les filles, hein. Vraiment. Pour commencer, j'ai eu deux casquettes en cuir, une en cuir 8000 et une en cuir teinté un peu je pense. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup voilà, celle-ci elle est incroyable, c'est ma préf, elle est trop belle. Donc elle est trop belle, vraiment trop jolie. Moi j'ai une couette, donc ça fait pas très beau, mais avec un petit blazer noir et tout, trop beau. Un petit blazer en cuir et tout, ça fait grave stylé, une petite paire de bottines et tout, trop stylé de ouf. Donc voilà, celle-ci, je crois qu'elles viennent de chez Asos les casquettes, donc ouais voilà. Elles sont trop belles, vraiment j'aime trop. Celle-ci c'est ma préférée, et elle aussi elle est incroyable. Mais elle est grave, je sais pas, elle a grave quelque chose en plus, elle est grave stylée. Donc du coup on a celle-ci, je vous montre de près. Elle a un peu plus en cuir vernis, on voit beaucoup plus. C'est un cuir 8000 et voilà, elles sont trop belles, les deux petites casquettes. De toute façon, j'ai plein de casquettes, j'aime trop les casquettes, vous savez. Mais voilà, elles sont trop belles, les deux petites casquettes. Donc elles viennent de chez Asos également, je vous mettrai le lien. Mais elles sont trop belles. C'est ma vidéo parce que ma mère, elle est venue me prendre la température dans les oreilles. Je vous jure. Et il fallait que je revide. Bref, on va finir. Donc là, on va passer aux vêtements. Je vous ai montré les casquettes, tout ça. Du coup, on va continuer sur... J'ai eu un sweat Nike, comme ça, un peu beige. Il est trop beau. Franchement, il est incroyable. Il est hyper oversize. De toute façon, je vais vous montrer porter à quoi il ressemble. Il est hyper oversize, tout. Il est hyper simple. Il est grave pas trop fin, ni trop épais, donc parfait. Avec un petit legging et tout, grave stylé, une petite paire de basket. Donc, on a le logo Nike, le signe devant, au milieu et tout. Franchement, il est trop beau. Il est hyper oversize et tout. Je suis trop contente de ce sweat à capuche. Il est incroyable, vraiment. Trop beau. Du coup voilà, le chez Nike je pense. Et la taille c'est une taille M et c'est taille femme, collection femme, donc voilà. Ensuite j'ai eu ce legging Nike, donc c'est un vapor un peu, c'est la catégorie genre au-dessus, mais ils sont incroyables, donc c'est genre matière. Ouh purée, à cause de la moumoute, il y a plein de... Voilà, donc il est incroyable, regardez, il est noir, mais un peu il est hyper doux la matière. Et donc là, c'est marqué Nike Pro, genre dessus, au-dessus. Ici, Nike Pro et tout. Trop stylé, il est incroyable. Il taille trop bien, il fait des trop belles formes et tout. Voilà, la salle et tout, ce legging parfait. Franchement, il est trop beau, il est parfait, il taille trop bien et tout. Je suis amoureuse de ce legging, il est incroyable. Du coup, avec le petit sweat et tout, grave stylé. Donc voilà. Non, mais j'aime trop là, le petit détail, Nike Vapor, un peu Nike Pro. C'est grave stylé et tout quand ça monte en haut. Il est hyper caillouté et tout, donc franchement parfait. Ce t-shirt Adidas, il est incroyable. Il est trop beau. Beige avec les écritures marron un peu. Ouais, marron. Donc c'est marqué Adidas et tout. On a le logo au milieu. Donc c'est la collection homme par contre. Il est trop beau. Il est hyper oversized. Les couleurs elles sont incroyables. Et le dos, il est grave stylé. Il est trop beau. Je voulais le jogging, mais il est en rupture, mais franchement, il est trop beau avec un petit legging kaki et tout. Parce que ma copine, elle m'a offert un ensemble, ça fait trop beau. Les deux couleurs, elles se mélangent grave bien. Du coup, voilà, je le colle comme ça, je kiffe le t-shirt, il est trop beau. Vraiment. Le t-shirt, c'est une taille M, collection homme. Comme ça, c'est bien oversize et tout, je kiffe. Il me va trop bien, il taille trop bien, je suis trop contente. Franchement, il est incroyable. Donc voilà. J'ai eu plein de vêtements cette année, je suis trop contente. Plein de vêtements un peu sport, streetwear et tout, c'est tout ce que j'aime. Du coup, voilà.
Du coup, mon chéri m'a acheté un t-shirt Adidas comme ça, kaki. Parce que du coup, ma copine avait pris l'ensemble. Donc, c'était grave stylé avec le legging. Donc, c'est un t-shirt kaki comme ça, Adidas, avec le logo au milieu. Bien oversize. La taille du t-shirt, c'est une taille 36. Une collection de femmes. Et il est bien oversize et tout. Grave stylé de ouf. Franchement, il est trop trop beau. Donc, grave contente. Donc, il est bien oversize en plus. Et puis, j'adore le kaki. Donc, trop bien. Du coup, voilà, ça, c'est le t-shirt. Trop content, il est trop beau. Du coup ensuite, donc ça c'est de la part de ma meilleure amie, j'ai vu cet ensemble. Du coup c'est un legging donc qui va avec le t-shirt que j'ai eu juste avant. Donc le legging Adidas simple taille haute avec les bandes sur le côté, écrit Adidas sur le côté gauche. Grave stylé, franchement il est trop trop beau. C'est une taille 36 le legging et c'est parfait. Donc franchement trop trop beau, je suis trop contente, j'aime trop cette couleur. Et puis grave stylé ensemble, donc le petit legging avec le petit t-shirt kaki. Avec le gros sweat Adidas qu'elle m'a pris, donc c'est écrit Adidas sur le côté gauche. Là, il est trop trop beau, il est bien large et tout, kaki foncé, j'adore comme ça. Et avec le gros logo derrière, tout ce que j'aime. J'aime trop les sweats et tout, et avec les gros logos à l'arrière, vous le savez. Je vous l'avais déjà dit et tout, mais franchement, il est incroyable. Elle me connaît trop trop bien. Du coup, on l'a toutes les deux, donc on est jumes. On aime trop être jumes. Du coup, voilà, merci merci ma vie. Ensuite, pour finir, du coup, mon copain il m'a pris cette petite sacoche. Il sait que j'aime trop les sacoches comme ça, j'en voulais grave une. Et en fait, vu que j'ai eu l'ensemble de ma copine, il s'est dit bah, de cette couleur, ça va grave aller avec, avec mon ensemble. Donc, trop stylé. Donc, par contre, oui, avec le petit legging, le petit t-shirt beige et tout. Mais regardez comment c'est grave stylé. J'aime trop. Ah, j'adore. La petite sacoche comme ça sur le côté. Je kiffe de ouf. Grave stylé de ouf. Franchement, trop bon choix. Il me connaît trop, trop bien. Mais elle est incroyable la petite sacoche. Du coup c'est une Adidas kaki blanc un peu. Donc blanc et kaki, elle est trop 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 belle. Je vous montre les détails de près. Donc voilà, elle est incroyable. La couleur c'est exactement la même couleur que le sweat et le legging et tout. Et le t-shirt donc trop trop beau. Franchement je suis trop contente. Trop contente de tous mes petits cadeaux. Dans la catégorie vêtements, tout ça, mon chéri nous a pris le bonnet Lacoste ensemble. Donc il s'est pris pour lui, pour Noël et moi pour Noël, à moi. Du coup voilà, franchement il est trop 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 beau. Franchement je le voulais grave et je voulais grave qu'on aille tous les deux et tout. Et puis il le voulait grave de ouf lui. Donc je me suis dit, par contre il a plein et tout ça à cause du sac. Donc je l'ai mis sur ça, vous avez dû voir. Franchement il est incroyable, donc c'est avec le logo comme ça ici. Après vous le mettez comme vous voulez, soit sur le côté, soit au milieu. Donc voilà, c'est comment on appelle ça, taille unique hein. Du coup c'est pour ça que je ne les ai pas montrées en même temps que les Converse, parce que c'est un peu plus sport, un peu plus comme avec les vêtements et tout. Elles sont incroyables, vraiment incroyables. Mais je crois qu'elles sont en rupture, il n'y en a plus du tout. Du coup elles sont trop trop belles. Donc c'est des Air Max 270. Je les avais eues à 2 ans je crois, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, en toute blanche, donc exactement les mêmes mais en toute blanche. Elles étaient déjà incroyables parce qu'elles font des pieds, des trop beaux pieds, tout fins et tout, trop trop beaux. Sauf que là regardez comment ils les ont fait, en quelle couleur. Attendez, je vous les montre de près. Donc en fait elles sont blanches, elles sont blanches comme ça avec les détails. Il y a le petit signe Nike jaune, jaune pastel avec là c'est écrit R en jaune et 270 en bleu vert un peu. Là derrière c'est bleu vert et tout, elles sont incroyables. Là c'est genre beige marron, enfin beige très clair. Sur le côté, la semelle là, c'est écrit, c'est en jaune et tout. Non, mais elles sont trop trop belles. De ouf. J'ai failli m'étouffer. mais voilà, elles sont incroyables. C'est une taille 39 du coup. C'est ma pointure, c'est parfait. Les baskets comme celle-ci. Et tout, elles sont trop belles pour aller faire du sport et tout. Oh, incroyable. Celle-ci, je vais les garder vraiment pour aller faire du sport et tout. Pour aller à la salle. Enfin, vraiment pour. Pas pour sortir, pour les abîmer et tout. C'est vraiment pour faire du sport avec mon chéri, pour faire du sport et tout. Donc voilà, elles sont trop trop jolies. Les détails et tout de cette paire, elles sont incroyables. Du coup, c'est des Air Max 270. Maintenant, il me reste 3-4 petits cadeaux. Donc ça, c'est des cadeaux de luxe un petit peu. Donc voilà. Donc ça, c'est de la part de ma sœur. Donc c'est des chaussettes Jacquemus. Donc elles sont incroyables. Donc déjà, leurs petits sachets, ils sont trop, 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 trop beaux. Du coup, vraiment plus beige comme ça avec écrit Jacquemus et tout devant. C'est trop beau. Du coup, elle m'a pris une paire de chaussettes noires comme ça. Donc je trouvais trop beau, genre avec un petit cycliste et tout, un petit sweat, ton petit sac Jacquemus et une petite paire de chaussettes et des Balenciaga, ça fait grave stylé. Ou même plein de sortes, enfin il y a plein de différentes sortes de s'habiller. Mais je voulais grave une paire de chaussettes taille haute de base, je voulais des Balenciaga et tout.
C'est vrai que c'était quand même beaucoup plus cher pour une paire de chaussettes. Je trouvais que c'était un peu abusé. Je me suis dit, bon, les Jacquemus, elles sont super belles également. Et franchement, je suis grave pas déçue. Elles sont trop trop belles. La matière et tout. En plus, elles sont bien taillotes et tout. Trop stylées avec une petite paire de baskets et tout. Ton petit sac Jacquemus, c'est trop chou. Du coup, voilà. Donc, c'est Jacquemus. C'est la taille 39-41. Donc, je fais du 39. C'était mieux de prendre 39-41. Du coup, j'ai eu un petit foulard Dior pour Noël également. Attendez. Alors. J'adore les foulards Dior. J'en ai déjà deux. J'ai le bleu marine que tout le monde avait au début. Après, j'ai eu à mon anniversaire le Mitsa ABCD Dior, donc alphabétique, donc la lettre H qui est incroyable. Vraiment, c'est mon préféré. Il est incroyable. Les détails et tout, on dirait un Hermès, mais en même temps, Hermès c'est coloré. Donc là, il est hyper neutre, blanc et noir, un peu gris. Enfin, il est incroyable ce bandeau. Et j'en avais vu un sur le site, c'est une nouveauté qui est incroyable également. Je vous jure, enfin, regardez les détails, il est trop trop beau. J'aime trop, vraiment, déjà leur petit packaging à Dior. Donc déjà, quand vous recevez tout, vous avez le petit sac et tout, je trouve ça trop chou. Et là, on a le petit poche, enfin la petite boîte avec le bandeau, c'est écrit Dior là-dessus. Du coup, je vais vous montrer, il est incroyable. Donc du coup, lui, c'est le Mitsa, c'est une nouveauté, donc je vais vous montrer. Il est incroyable. J'adore les Mitsa Dior, vraiment je les adore. Du coup, il est comme ceci, attendez. Trop 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 beau. Les détails sont incroyables. Donc du coup là c'est écrit Dior juste ici, regardez. Christian Dior. Ici, trop 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 beau. L'arrière c'est comme ça, donc c'est plein de petits détails. Mon Mitsa alphabétique de la lettre H, il a un peu des détails comme ça, mais il est plus blanc un peu. Du coup, franchement, là, je le trouvais magnifique. Et comme ça, j'ai plein de bandeaux pour mettre sur mes sacs et tout. Puis même, j'aime trop accrocher à une couette, le mettre ici, le mettre sur les cheveux. Enfin, il y a vraiment plein de façons de le mettre différemment. Hier, il est magnifique. Donc, il est comme ceci. Il est magnifique. Regardez. C'est écrit Christian Dior et tous les détails sont trop beaux. Vraiment incroyable. Donc après, vous pouvez les mettre des deux côtés. Vous avez juste à enlever l'étiquette. Et voilà, c'est réversible et tout, donc voilà, franchement il est incroyable, je le trouve magnifique. Ils savent que j'adore les bandeaux Dior, vraiment, je suis trop contente, Là j'en ai plein, j'ai une petite collection de bandeaux Mitsa Dior et tout, j'aime trop. Puis pour mettre sur mes sacs et tout. Avant-dernier, je me suis pris, donc ça c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi. Chaque année j'aime bien me faire un cadeau de moi à moi. Du coup voilà, je me suis pris un petit cadeau à Saint Laurent, c'est quelque chose que je voulais grave. C'est vrai, c'est un peu cher pour ce que c'est quand même, mais je le voulais grave. Donc du coup, on a le petit sac avec. Attendez. Donc après, on a l'enveloppe Saint Laurent, hyper classe cette marque, vraiment une de mes marques favorites avec Dior. Mes marques de luxe préférées, c'est vraiment Dior et Saint Laurent, il n'y a rien à dire. Du coup, donc là, c'est une petite boîte. Donc c'est tout petit, hein. C'est tout petit, mais je suis trop contente. En fait, du coup, vu que j'ai ma voiture, mais bon, la voiture, je vous en parlerai plus tard parce que je sais que vous voulez une vidéo dessus. Donc, bref, ça sera plus tard, ça. Et vu que j'ai eu ma Fiat 500, je voulais un beau porte-clés pour aller avec mes clés de Fiat. Attendez, je vais chercher mes Fiat. Mes clés. J'ai été chercher mes petites clés de Fiat. Donc, voilà. Donc, je les ouvre. Et je voulais grave un petit porte-clés. Pas trop gros, pas trop grand. Enfin, bref, un petit porte-clés pendentif comme ça pour aller avec mes clés. Parce que toute seule, j'aime. Je veux un petit porte-clés. Je trouve ça grave stylé. Et puis, même, c'est toujours bien d'avoir un porte-clés pour porter tes clés. Parce que là, regardez. Je dois la tenir comme ça ou alors comme ça. Donc hyper compliqué. Et même quand tu la mets dans ta voiture, c'est comme ça. Donc après, ça pend et tout, c'est grave stylé. Et du coup, j'en avais vu un Yves Saint Laurent qui était incroyable. Et vous savez que j'aime trop le croco chez Yves Saint Laurent, mais en petits détails. Par exemple, mon petit porte-carte, je l'ai en croco. Là, le porte-clés, je l'ai pris en croco. Donc c'est trop mignon. Enfin, j'aime trop ce détail-là. Du coup, donc on a la petite boîte comme ça, Yves Saint Laurent, noire, tout simple. Donc elle est longue. En plus, elle est trop mignonne. Elle est toute petite, mais en longue. On a le petit pochon Yves Saint Laurent avec la petite enveloppe du coup, voilà. Et donc à l'intérieur, donc il y a le petit pochon comme ça. Et à l'intérieur, il y a le porte-clés, le fameux. Je le trouve incroyable. Il est très très classe, très discret, très simple. Mais j'adore. Du coup, voilà. Donc c'est ce petit porte-clés. Il est vraiment vraiment beau, je trouve. Regardez. Du coup, je vous montre de plus près. Donc on a le petit pendentif YSL comme ça avec les lettres. On a le petit porte-clés comme ça en croco, donc avec le bouchon et les détails en croco. Et derrière, on a la petite étiquette Saint Laurent comme ça. Donc voilà. Donc, il est vraiment très classe, très discret, très simple. Donc c'est tout ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. C'est du luxe, mais
Mais ça reste simple et discret, c'est ce que j'aime. Je voulais pas un truc non plus trop voyant et je le trouve vraiment classe. Du coup, je vais vous montrer. Attendez, comment ça fait? Et là, sur le petit, c'est marqué Saint Laurent et tout. Trop, trop beau. Franchement, il est incroyable. Voilà, là, j'ai mes petites clés Fiat avec mes petits porte-clés. Je trouve ça grave beau. Voilà, on a le petit porte-clés Saint Laurent. Il est vraiment, vraiment beau. Comme je vous ai dit, donc avec la petite étiquette derrière, mes petites clés. Et comme ça, quand je le mets dans la voiture, c'est comme ça en fait. Vous la mettez. Et donc là, le petit porte-clés clipant. Donc voilà, je suis trop contente. Vraiment, c'est mon petit cadeau que je me suis fait de mois à mois. L'année dernière, je m'étais acheté mes Dior et là, cette année, je voulais vraiment mon petit porte-clé. Donc du coup, je me suis dit, je me le prends. Donc voilà. Et pour finir, je vais vous montrer le cadeau que mon chéri m'a fait pour Noël. Donc mon gros cadeau, comme ça. Je pense que vous l'avez tous vu sur mes stories Instagram, j'ai reçu plein de messages. Et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu pour Noël cette année. Donc, donc voilà, il est incroyable, vraiment trop trop beau. Donc c'est écrit Jacquemus sur le petit sachet, je vous ai montré. Et j'ai eu le Chiquito moyen, il est incroyable. Je suis amoureuse, vraiment amoureuse. Il est pas trop beau, les filles, non mais regardez. Non mais comme ça et tout, avec mon petit sac et tout. Il est trop beau, regardez. Incroyable, incroyable. Il est vraiment vraiment trop beau. Du coup il est tout petit, mais du coup c'est pas le tout petit. Il y a le petit, le moyen que j'ai, et il y a le plus grand. Le plus grand j'aime pas du tout. J'hésitais beaucoup entre le petit et le moyen. Et finalement je me suis plus penchée vers le moyen parce que je trouve qu'il est beaucoup plus classe. Enfin les deux sont très classe, mais il est un peu plus gros quand même, donc on peut mettre plus de choses. Alors que le petit, ça peut être beau avec des tenues, mais limite en déco c'est plus joli que de le mettre sur soi. Du coup voilà, mais il est vraiment vraiment incroyable. Donc là il y en avait plein que j'aimais hein. Il y avait plusieurs couleurs que j'aimais, mais je me suis dit pour cet hiver là, il y a les, enfin il fait froid et tout, je suis toujours habillée en noir, le petit ça fait très classe noir comme ça, je prends en noir et plus tard je prendrai le blanc au pire. Mais il y a plein de couleurs que j'aimais, j'aime trop le marron, j'aime trop le kaki, en lin, mais ils l'ont plus. Du coup quand on l'ouvre c'est vraiment petit hein. Vous pouvez mettre votre téléphone, je sais même pas s'il rentre. Non, il doit même pas rentrer, attendez. J'ai le téléphone de mon chéri. Non, il rentre pas. Donc dedans, vous pouvez mettre votre clé, je sais pas, bon, votre chargeur et c'est tout fini. C'est bon, il n'y a plus de place. Et voilà, il est vraiment incroyable. Je trouve qu'il fait vraiment quelque chose à la tenue, vraiment trop trop beau. Du coup ouais, je suis trop contente. Vraiment, vous pouvez le mettre en tant que bandoulière ou le porter à la main, tout simplement. Donc franchement, je suis trop contente. Il est incroyable, vraiment incroyable ce sac. Même en tant que déco, il est trop beau. Je vous jure, posé sur une petite étagère et tout, il est incroyable. Du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir eu mon petit sac Jacquemus. Donc celui-ci, c'est le Chiquito moyen. Je l'aimais bien en long aussi. J'hésitais entre petit, le long ou celui-ci. Et du coup, je me suis penchée vers celui-ci et franchement, je suis trop contente. Je réfléchirai pour les autres après, mais il est incroyable de ouf. Je suis trop contente de tous mes cadeaux. Donc voilà, donc ça, c'était de la part de mon chéri. Et je suis trop contente. Merci encore ma vie. Du coup voilà, je vous ai tout montré, tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu, que ce soit luxe, vitres secrètes, vêtements, accessoires de bureau, fournitures, accessoires de cheveux, tout ça. Enfin bref, j'ai eu tellement de choses variées, tout mélangé. Bah, franchement, je suis trop contente de vous avoir tourné cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu longue, je suis désolée, mais bon, au moins vous allez prendre un bon petit moment pour regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez parmi tout ce que j'ai eu, si vous avez eu les mêmes choses que moi, si ce que vous avez eu en tout cas, parce que je suis grave curieuse, j'aime trop savoir. Donc n'hésitez pas à me laisser tous vos petits commentaires, tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. J'ai fait un concours il n'y a pas longtemps et voilà, j'ai annoncé la gagnante, elle était trop contente, donc bravo à toi en tout cas. Mais je referai d'autres concours bien sûr par la suite, il n'y a pas de souci. J'ai passé trop un bon petit moment et tout, j'étais trop heureuse. Et j'espère que vous également, vous avez été bien gâtés, vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, tout ça, un bon réveillon, un bon Noël avec votre famille. Du coup aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça prend pas beaucoup de temps et si le genre de contenu que je propose vous intéresse, c'est plus simple pour vous d'être abonné et aussi de cliquer sur la petite cloche parce que c'est plus simple pour être averti de quand je poste une vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Mais voilà, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube le 19 janvier. Enfin bref, on en parlera plus tard de ça. Et je voulais quand même vous dire mon grand merci, vraiment mille merci, mille merci. Je vous aime très 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 fort. Et merci pour tous vos petits messages que je reçois chaque jour. Vous êtes tellement 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 mignons. Je vous aime trop 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 vraiment. Donc voilà. Quelque chose vraiment que je kiffe. Hein. Je fais quelque chose que j'aime. J'aime trop. Vraiment j'aime trop faire vous faire des petites vidéos, vous parler, vous répondre.
Donc voilà, pour cette année 2022, il y aura plein de nouvelles choses, il y aura plein de résolutions, il y aura une nouvelle organisation totalement différente et je me consacrerai vraiment qu'à YouTube et qu'au réseau. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous mes cœurs, je vous aime très fort.